Hey, là, ça va être une masterclass. Comment allez-vous? Alors là, aujourd'hui, on se retrouve sur un truc exceptionnel. Déjà, pour commencer, attends, on va se mettre dans l'ambiance. Voilà. Merde. Voilà. On va se mettre dans l'ambiance. On va surkiffer notre race, hein. C'est bon. Continuez avec ces paramètres. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Là, on attaque direct. Le mode histoire du nouveau Resident Evil Village. Je reste 2 minutes, je suis crevé. Ok, si tu veux. En tout cas, là, on est parti. On est devant le jeu. On n'a qu'une seule chose, appuyer ici. Eh mais non, mais ça commence mal déjà. Je suis obligé de mettre le son à fond pour bien entendre. Ça commence mal, ça. Ok. Oh là. Oh putain, depuis tant que j'attendais ça. Allez. C'est parti. Oh là là. Nouvelle histoire. On va mettre en standard. Ouh là là, ouh lili. Le village Il y a des bien ombres. longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand C'est quoi sombre ça? apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea Les voiles sont bien faites, et hein. sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Wow. Ça va, il est bien le gameplay ou pas? Plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre Oh. dieu. En un instant, la fillette fut Ah, je peux emprisonnée jouer? dans un miroir. Ça y est, elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement. On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Les graphismes, c'est... Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Est-ce que vous aimez la qualité?
Tu as dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Pour se déplacer. Et quand même, la maison, elle est incroyable. C'est tout ce qu'on aime, hein. Attendez deux secondes. Ouais, c'est bon. Ouais, elle est incroyable, la maison. C'est où qu'on monte ? Ah, c'est là. Waouh. Incroyable. Ah. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Allez. On y est presque, ma puce. Ah, c'est là. Putain, les détails. Et nous, on dort là, nous. Oh là là. Allez. Et voilà, mon ange. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. C'est bon ? Ok. Bon, allez, on descend. Le jeu est propre, hein. Mais... incroyable. Elle est où, ma femme ? Ah, elle est là, je crois, non ? Ah, elle est là. Ça a été ? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Eh, bats les pattes ! C'est une chorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose... maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Hein ? Mia ! Baisse-toi ! Wesh ! Mia ! Wesh ! Désolé, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? Oh, le fils de pute ! Pardon pour l'insulte, hein. Avance ! R.A.S. Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher ! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Mais... attends, il est sérieux, Chris, là ? Olivier qui nique Didier, le calendrier irlandais. Oui, docteur. Oh, la peur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ?
Dis-moi, elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Je ne comprends pas. Je ne peux pas. Oh, le bébé. My little angel. Ah. On est où là? On est où? Où est Chris Redfield? Et Rose? Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? What? Non! Abattre la cible et récupérer le corps sécurisé. Rosemary, Winter et Ethan Winter. Transporter les Winter jusqu'au site. C'est pour des examens. Ok. Interagir. Il est hors usager. D'accord. Donc. Qu'est-ce que je dois faire là? Attends. Ok. Je dois aller jusqu'au chemin là-bas. Je dois marcher tout droit. Ah non, mais ça sent pas bon ça. À croire que là j'ai le son à fond. Hein. Donc à tout moment il y a un screamer, je me chie dessus. Hein. God damn it. We got it, on est dans la nuit. Voilà, on sait même pas où on va, mais on y va. Bah écoute. Je sais pas où on va, je sens qu'on va tomber sur... Mais on est où là? Ok. Ah bah oui. D'accord, donc pour s'accroupir, ok, d'accord. C'est bon. J'ai capté les bails. Waouh. Non. Mais non. Je le baisse le son ou pas? Oh putain. Oh sa mère. Je vais où là? Dans un cul-de-sac? Attends. Oh non, je vais avancer. Waouh. Alors la première partie sera publiée en tant que vidéo YouTube, hein. Je tiens à dire. Ok, donc là on approche. Ok, un cabanon. On doit faire un truc là. Ok. En vrai je vois rien là. C'est lugubre. Eh non. Pourquoi une corde? Une corde? Ça va beau?
Même plus d'eau, d'accord. Il y a un truc ici, c'est obligé. Là. Putain, l'ambiance. Il y a des médocs, what the fuck. S'il y a un truc. Sans papon, ah. Le jeu fait bader, c'est Resident Evil, frérot. J'ai peur qu'à tout moment. C'est quoi? Je peux pas me tirer? Non. Je suis vraiment obligé d'y aller là? Ta gueule. Ta gueule. Ferme ta grosse gueule. Genre je peux. Mais y'a. Qu'est-ce que c'est? Ah, ou de blé, c'est quoi ça? Wesh. Mais je suis où là? Je vais faire. Non, ta gueule. Non, il va y avoir un truc derrière. Je fais quoi là? C'est où la sortie? La sortie? Non, il va y avoir pas un truc en haut. Arrêtez. Mais pourquoi il y a du sang? Wesh. Non. Ok, d'accord. Ah, déjà il fait jour. Il fait jour, c'est bien ça. Est-ce que le gameplay est propre? Est-ce que les graphismes sont beaux? Wow, attendez, c'est incroyable. Wow. Oh la dinguerie. Je vais glisser là, non? Oh le cheval. Non. Peut-être qu'ils okay. sont sortis. Dis-moi. Dis-moi qu'il n'y a rien. Rien va arriver, hein. Il y a le même tableau de tout à l'heure là, mais je dois faire quoi? Ah. Cette serrure pourrait être crochetée. Ok, va falloir que je trouve un truc pour le crocheter. Ouais.
tous les repas étaient prêts et tout. Donc à mon avis, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Comment je pourrais le crocheter? Attendez. Je suis en train de flipper là, vous avez vu pareil que moi. Oh non, shit. Je vais où? Tout droit ou à droite?